prêt, je te sens pas prêt, fils de pute. Je te sens pas prêt. Eh, vas-y, c'est Gonzalo, nique sa mère, c'est moi. Le chapeau, le chapeau. Je vous passe ça. Faites-en bon usage, hein. J'espère au moins 10 morts. J'ai charbonné pour RS3, c'est pour ça que John n'est pas monté. RAF dans ma tête, j'pense qu'un bouillave, il da sur du tonton Mbappé. Ramener 4 femmes à la maman, les mettre en coque avant de m'enterrer. Devenir le gérant de la Ciudad, promesse fait à Juan avant de canner. J'ai la Mbata, Denis Clochard, j'suis en RS3, j'parle au bar. Allo, allo. Allo, bien. Wesh mon gars, bien quoi? Calme. Ça dit quoi? Je suis là, je suis au parking central, et toi? Vas-y, là, j'étais au commissariat, je devais pointer. Ah oui, t'as un bracelet? Non, j'ai pas de bracelet, juste je dois pointer chaque jour. Ouais, mon gars. Vas-y, j'arrive, te chercher, on voit ta pose. Vas-y, je t'envoie. Vas-y. Tu regardes mal, toi? Ouais. C'est pas toi, du cimetière? Putain, fils de pute, je pensais mort. Ouais, j'avais comme objectif d'aller trouver, c'était te chercher, mais cimetière. Ouais. Ah, t'as mis du temps à me trouver, fils de pute, hein? Là, maintenant, je crois qu'on est devant. Qui se rappelle de lui? On fait comment, là, mon garçon? Mais là, ça y est, l'histoire, elle est passée, là, ça fait trop longtemps. Attends, je crois que j'ai une fierté de chez nous, quoi. Mais non, elle est pas, mais non, tu m'as niqué ma bécane. Salut, monsieur Dead. Ça va bien. Eh, les gars, de toute façon, je t'explique. Au calme, tranquille, y'a rien. C'était petite embrouille. T'as dommage, je t'ai pas revu le lendemain, je te. T'aurais fait quoi? Allez, dis-moi. Je t'aurais mis une pêche, une pas deux. Bah, tu sais quoi, je te propose? T'as des couilles, t'as des burnes. Ouais. Suis-moi, on y va, on va se la donner à deux. On va régler ça, c'est bon, on va régler cette histoire-là. De bonhomme. Entre bonhomme. À l'abri des regards. Bah, écoute, c'est quoi? Dans 5 minutes, tu vois la munition qui est là-bas? La munition. Non, la munition qui est là-bas. Écoute. Non, parce que je dois juste chercher un ami à moi. Dans 2 minutes, tout de suite, là, on va au parking au-dessus de la munition. Allez, je joue, allez. Tout de suite? À tout de suite. Allez, à tout de suite. Sois prêt. Inch'Allah, il n'y a pas de problème d'essence, par pitié. Choupi, je te connais pas, toi, dans le chat, wesh. Il arrive, 10 sub cash, t'es un bon, c'est marrant. Wesh mon gars. Non, en fait c'est plus possible, t'as trop une tête de salope, c'est abusé. Pourquoi? Mais je peux pas traîner avec toi. Respecte, wesh. Ah, fils de pute, j'ai fait des cauchemars de grave, c'est à cause de toi tu me dis ça? C'est vrai, putain, voilà, on a fait 6 heures de... J'ai rêvé que j'étais resté 6 heures là-bas. Ah, jure la vie de ta mère. T'as rêvé pour c'est de vrai pire, frère. Ouais, j'ai fait de grave site mon gars. Oh la ravagerie, oh la dinguerie. Laisse tomber, c'est trop. Eh, dis-toi qu'après j'ai même pas dormi, j'ai dormi une heure, après je me suis réveillé. Bah même, mais j'ai rien dormi frère, j'ai dormi 2 heures. Putain. Grosse journée moi, depuis 8 heures je suis là. Et là dis-toi, il reste encore 4 tonnes, putain. Ah bah ça va alors. Non, je rigole, là il reste 2 tonnes, ça va. Ah, Vince, ça va, ça merci va. Pour le prime, merci. C'est bien frère. Ça dit merci, quoi là? Putain, Nikos pour les 5 subs, wesh, les frères, vous arrivez quoi là? Ça dit que là tout de suite, viens monte, on va se taper. Je vais te fumer, non? Non, contre 2 bikers, t'es prêt? Eh, je t'ai dit, tu traînes avec moi, y'a que des embrouilles de vrais grossistes. Moi, je suis un vrai délinquant, moi. Je sais, t'es un malfrat, moi je suis là pour ça, de toute façon. mais en fait, toi, t'es bourbé, tu vas me mettre en prison. Non, t'inquiète. Et ben voilà le jeune. Bon, fils de pute de biker. Bon, c'est qui, un problème, là? Il se passe quoi, là? Merci, VX, merci, frère. Salut, mon gars. Alors, Dooms, wesh. Merci Dooms pour les 5 subs, incroyable. Merci les frères. Ouais, mon pote, il est où le... Ah, t'es là, Gaillard. Oh, il joue grave RP, voilà. Merci Dooms, merci les frères. Bon, t'es prêt ou pas? T'es prêt? Je te sens pas prêt, fils de pute. Je te sens pas prêt. Voilà, fils de pute. Y'a pas un contre un dans la street. Oh, non, mon gars. Oh, je suis grave nul. Excuse. Y'a pas de 1v1 dans la street. Tu le fumes. Pitching le, la tête. Les yeux. J'ai une arme. Oh la dinguerie. Alors on va te baiser. Comment ça alors? Ça va juste partir en fusillade. C'est le... Non, j'ai rigolé. On peut cacher à l'intérieur. Ouais. Voilà. Voilà, bande de bâtards. On vous baise. Baiser.
Voilà. Les frères, wesh, ça part en couille de nickel là, Simer. Alan, merci Patek. Simer, les frères. Simer, wesh. Merci, attendez deux secondes, je me focus là. Bon, ça c'est histoire de se mettre dans le bain. Là, on est dans le bain. Bon petit réveil, yo. Attends, lui, je vois quoi là? Ouais. Non, vas-y, vas-y, on va pas trop. L'Oston va tomber sur un grossiste. C'est le décrassage, ça. Bien tranquille, les hermanos, ça va quoi, les vrais, les vrais. Ouais, ça va, patron. Ça va. Tranquille, du coup. Ça se passe pour toi? Comme si, comme ça, hein, c'est pas. Ta maison et tout, genre, ça, c'est bien. Ouais, je dors bien, je te mens pas, ça va, c'est pas mal, mais. Ta famille, ils ont bien atterri et tout. Ils ont bien, ouais, là, ils vivent bien, franchement, là, la maison, elle est propre, bon, c'est deux chambres, ça du coup. Plaisir. C'est compliqué, vu qu'on est famille nombreuse, mais ça va. Pourquoi deux chambres? Parce que bah, y a que deux chambres, malheureusement. Ah, moi je croyais que c'était une grande maison que t'allais prendre. Ah non, non, c'est juste. Non, mais y a deux chambres. Ah, ça coûte cher le loyer, hein, Los Santos. Hola, hola, señor. Ça va, tranquille, bien. Ouais, comme ça, ok. Du coup, en gros, là, il m'est arrivé une galère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En gros, ma famille, ils sont arrivés du Mexique. Ma mère, tout ça, ils. Aucune éducation. Ils pensaient qu'on était dans un village à Tijuana. Ils ont foutu le ils ont ils faisaient du bruit le soir, barbecue à 3h du matin, de la musique à fond, le voisinage, ils ont fait une pétition. Hop, le gouvernement de Los Santos. Une pétition. Ouais, une pétition. Oh, ça a envoyé le gouvernement des avocats bizarres. Oh les bâtards. Et ça m'a mis une amende. C'est des racistes. C'est des racistes, exactement. Des racistes. Et ça m'a mis une amende. Ça m'a mis une amende. De combien? 400 000. Je reviens, voilà. Non, un peu moins, 250. Bien évidemment, toi, c'est pas ton problème, hein. Je dois te rendre ton argent, c'est mes soucis, je dois être un homme et relever la pente. Du coup, là, en gros, je voulais demander juste une petite... Attends, mais pour un partage... Putain, attends. J'achète une maison à 250 000. Une maison à 250? C'est quoi? J'achète un caddie, un mobilhome. Pour un tapage, je t'en mets 200. C'est une dinguerie, mais t'as vu comment c'est l'injustice. J'hésite à faire un trait de Twitter, demander de l'aide. Non, vraiment, là, je te jure, il faut vraiment faire parler les médias parce que 250 000 pour un tapage. C'est une dinguerie, C'est des fils de pute. C'est lui le média. Nous, on est un média indépendant et en plus, tu vois pas, ils ont fait. Le gouvernement, ils sont contre nous depuis qu'on a filmé la fusillade. Non, mais tranquille, le bon Dieu, il voit tout. Mais tranquille, je vais te payer ta dette, je vais te rembourser. Ils vont payer. Et comme moi, je vais payer. Exactement. Du coup, en gros, j'ai eu l'idée de. Tu me prêtes un. Tu vois les véhicules du tacos là? Tacos mobile. Ouais. J'ai ma mère, elle s'est cuisinée. Et je vais me poser, vendre un peu. Histoire de te rembourser. Commencer une petite partie. Du coup, je voulais, voilà. Savoir si tu pouvais me prêter le véhicule du tacos en haut. Du coup, pour me rembourser 400 000, tu vas vendre des tacos. Mais c'est pas n'importe. T'inquiète, ça va faire. Il y a un petit plan. En gros, je vais vendre des tacos. Tu peux me rappeler combien ça se vend un tacos? En fait, un tacos se vend, c'est vrai, 50 dollars, un truc comme ça. Ouais, 250. Mais je vais me poser dans un quartier riche. Et le plan, c'est qu'en gros, quand il y aura un client riche qui va venir, qui va prendre un taco, je vais voir son portefeuille, il est blindé. Hop, j'aurai un talkie-walkie comme dans Narcos. Allô, la Kika, tu me reçois? Blaqué. Attaque. Hop, si un ami à moi si de ma famille. Il attrape le riche, il prend son portefeuille. Et petit à petit, il y a de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vais vendre 1000 tacos. Faut que tu vends 1000 tacos, t'es remboursé. 1600. Je vais pas vendre 1000 tacos. Je vais essayer d'en vendre 100, mais d'en voler. Après, à côté, je vais faire des trucs. Tu vois, vraiment, genre, je sais pas, en fait, là, je suis de bonne humeur, vraiment. Mais comme je t'ai dit, j'ai un mauvais pressentiment encore, j'ai des frissons encore. Je sais pas s'il fait froid ou je sais pas si c'est ça, j'ai des frissons dans le dos. J'ai un mauvais pressentiment, comme si, genre, je sais pas, genre, dans ma tête, comme si, genre, t'allais me baiser ou je sais pas, tu vois. Ah bon? Ouais, je sais pas, je sais pas si c'est la Santa Maria qui m'envoie un message. Non, ou non, délire bah non. Complet, ou... Non, tu... c'est bizarre. Non, ben non, moi je te rends. Là, je vais te rendre. La vie de ma mère, je vais te rendre. Sur la Santa Maria, regarde. Oi,
Oh la dinguerie, ça profane. C'est qui lui? Non, elle est derrière, la Santa Maria. Ah ouais, ça a rempli. C'est qui ça? Ça va être enlevé, ils ont fait ça pendant mon absence. Oh la dinguerie, la religion avant. Ouais, du coup, en gros. Non, je vais te rembourser, mais. Je suis t'inquiète. Hey, tu sais pas comment je te. Ta réputation, comment. T'as vu ta réputation dans la stérite? Tout le monde a peur de toi, c'est grâce à moi. Ah bon? Tous les jours à Groustérite, j'ai l'Orio, il est trop fort. Les gars, j'espère que l'Orio, il est pas là. Si vous comptez récupérer le taco, si l'Orio, il est là, c'est mort. Que je te vends. On a encore eu à prendre Groustérite, on a encore eu. Des trucs avec. Jure. Bah ouais, mais. Ouais, j'ai entendu parler, putain, mais bien joué, les gars, bien joué. Vous êtes trop fort. C'est pour ça, l'Orio. Oui, mort, c'est blessé. Exactement, Guerrero. En plus, il met plus ses pantalons à ourler. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Mais du coup, moi, l'Orio, moi, je suis là. Prête-moi le camion. Et t'inquiète, l'argent va arriver comme jamais. Vas-y, Lazaro, sors-lui un camion. Donne-lui. T'es un bon, Lazaro. Ok, bah, va avec Lazaro, taco, il prend. Prends ce qu'il y a à prendre. Tiens. Vas-y, Mimo. Je te laisse ma caution, la caution. C'est ma voiture, c'est bon. Vois que ça, que Lazaro, c'est lui le gérant. Lazaro, je te laisse ma voiture en caution. Je m'en bats les couilles, t'es à côté d'elle. Ah ouais? T'as merci, Lorio, gracias. T'es un bon, Lorio. Ouais, Lazaro, petite merde. T'es pas monté dans l'hiérarchie? Toujours. Ta tâche de naissance, tu t'inventes une vie. Toi, t'as une cicatrice comme Vertigo, espèce de menteur. Qui t'a brûlé, toi? Qui t'a brûlé? Tu as juste brûlé en enfer pour ta dégaine. C'est les poyos. Ta gueule, mon monde rentre. Ouvre. Et je vais t'enculer, toi. Ouais, je prime, dis rien. Vas-y, va. Non, je rigole. La vie de ma mère, je rigole. Oh, jure. Oh, t'as un Uzi. Oh, la dinguerie. Jure. Papa. Je te remplis combien? Uzi dans le pentacore. Je te mets quoi, 50 menus, c'est bon? Les menus, c'est ma mère qui va les faire. Je crois que je vais prendre vos menus d'ici là. Allez, donne-moi juste le camion. Bah tiens. C'est quoi? Mets-moi en 10. Mets-moi 10. Non, ça y est, ta grand-mère, ta mère, elle va les faire. Elle fait bien, moi, j'ai apparemment. Je te laisse ma voiture ou tu t'en bats les couilles? Non, vas-y, donne, je la prends. Je la prends? En fait, elle est bien. Ouais. Mais attends, je la ferme ou comment on fait? C'est bon. Au pire, je te passe les clés. Ouais, prête-moi les clés. Allez, va niquer ta mère, tu vois, je suis un trou de balle, moi. Non, mais c'est rien, prête-moi les clés. Ouais, je te prête rien, je suis un crevard, moi. Et là, le téléphone sonne. Les enfants, pas de bagarre chez moi. Ah, la patronne. Tu es parfait, Gonzalo. Voilà. C'est excellent. Ça va ou quoi? Ça va et vous? Vous aimez bien, parfait. Tranquille, ouais, c'est, on en c'est, va. C'est, je pouvais pas rêver mieux. Tu es parfait. Je suis arrivé en même temps. Rentrez, venez. J'ai fait quelques travaux à la maison. J'ai de la place. Hop là. MIG, Moula. Bon, apprécié, c'est sûr. Tiens, regarde, dans ce véhicule, tu as... Ah, Francky. Tu as quelques munitions, Gonzalo. Récupère tout ce qu'il y a dedans, d'accord? Comment vas-tu, Francky? Il est fermé, patron. Ça va, et vous-même? Moi. Salut, Francky. Salut, papa. Salut. Oh la dinguerie! Putain. Je sais pas quoi dire. Ouais, bonsoir. Petit hola, seigneur! Bonsoir. Ouais, bonsoir! Hola, seigneur, c'est pour la livraison des tacos. Le pare-choc m'a l'air touché là. Ok, parfait. Bon, vous attendez, ouais. il m'a prévenu le gars. Perfecto, il avait vous livrer. Impeccables. Parfait. Tenez, seigneur. Le chapeau, seigneur. Je te donnais quoi? Putain, je suis cramé, ma gueule.
Je suis cramé. Eh, vas-y, c'est Gonzalo, nique sa mère, c'est moi. Les chapeaux, les chapeaux. Ouais, j'ai menti, j'ai menti, voilà. Je sais pas, vas-y. J'essaie de m'en sortir. Tenez, les chapeaux, ça va pas le faire, hein. Attends, mais ta couverture, pourquoi elle a duré 2 secondes? Dis-lui pas. Putain, mais moi aussi, comment je pouvais savoir? Je devais le livrer ici. Ah. Tranquille, bah c'est comme ça justement, c'est ce travail là qui me fait que je vais te rembourser, Lorio. Faudrait que t'enlèves le chapeau aussi, Hermano. Parfait. Ouais, c'est ma couverture, quoi. Je suis content de le mettre, Hermano. Bon, je suis pas content de te voir avec, justement. Ok. Vraiment, hein, t'abuses le chapeau là. Ouais, c'était pour l'infiltration, je sois, voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à venir dans le quartier le plus sensible avec du matériel. Grosse livraison en Jordan, incroyable. Pourquoi tu me l'as pas dit? T'aurais pu me le dire. Clairement, Lorio, je vais faire. Mais je m'en tape. Au contraire, je suis content. J'ai paniqué, Lorio. J'ai paniqué. Je voulais pas te mêler à ça. Je sais pas, c'était ridicule, j'ai... Ouais, pourquoi ça a duré plus de temps? Parce que c'était... Même, je sais pas, j'ai... Tranquille, y'a de toute façon confiance entre Lulu et Anmano, non? Bah, entre ouais, Latino, on va pas se baiser, non? L'Anmano, jamais, jamais. Tranquille. Que non, mais vas-y, fais ton accent, quand même. Vas-y, arrête, Guerrero, arrête. Du coup, les gars, c'est comment l'argent, là? Non, l'argent, c'est à lui, directement. Ok, parfait. Dis-lui que tout est bon, le livreur il a bien livré. Il a bien livré, hein? Tu l'as trouvé où le camion? Gonzalo, il a bien livré. Ben, je voulais louer à vous, c'est pour ça que là je me suis pété. Il est pété sa mère, le camion. Il est pété sa mère, oui, t'as vraiment. Allô? Laisse-le, casse pas son camion. Original. Je vois le pare-choc, il a un peu touché là. Il est très bon, votre livreur, très bon, Titi. Mais le livreur, il m'avait l'air un peu stressé quand même, hein? Fils de. Arrête! Comment? Allez, non, le deuxième. Je vous scanne tous les deux, vous croyez où? Scan Guerrero, je suis secondo, je prends le scan de Lazaro, je suis l'effet des mini-vagos. Non, je ne l'ai pas reconnu, je devrais le reconnaître. Lorio, 500 000. Tu me suces à la mort, tu me défends comme jamais, s'il te plaît. Non, mais Je rajoute 100 000. Ouais, bien sûr, écoutez, c'est sa première livraison, vous avez dit. Et ben je suis désolé de vous dire que celui-là, normal, et ben il va beaucoup travailler avec vous parce qu'il est très bon, il est super bon. Vraiment, j'ai jamais vu un livreur comme ça. Il m'a même apporté un café. Vous imaginez? Comment c'est possible qu'un gars vous apporte un café alors qu'il en a rien à foutre normalement? Non, vraiment, il est bon. Et ben comme vous dites, il a. Putain, j'ai rajouté 100 000. Non, super, vraiment. Ouais, envoyez-moi une position et c'est bon. Oh, avec plaisir. A tout de suite. Oh, t'as eu peur? Un peu. Mais non, t'inquiète. Il était fier de toi, il a dit. C'est un bon. Parfait. Pourquoi il m'a dit, il a des antécédents. Il m'a dit que tu l'as pas reconnu. Parce qu'en fait, tout ça. Bah, quand il m'a dit que je devais livrer les wagons, j'ai dit, ah, il a vu que j'ai réagi bizarre. Il a insisté pour savoir c'était quoi, je lui ai dit bah c'est que je leur ai loué le camion. Du coup bah ma couverture elle va. Ils vont reconnaître le camion. Ok. Et bref après bah je lui ai dit mais tranquille, je vais me débrouiller. Tu vas aller le voir là direct? Bah là ouais c'est bon là, je crois. Okay, je sais pas. Parce que là et bah il m'a envoyé la pause, moi je vais aller le voir. Bah parfait, ça c'est les balles pour fumer les ennemis, c'est ça? C'est bien, fier de vous, vive les vagos. On va fumer, on verra. Mais non, on fait de la chasse nous Romano. Lazaro, tu sais très bien, ouais. Bah oui, bien sûr. Arrête de faire l'ancien Lazaro. Va poser tout ça d'ailleurs, moi je vais poser tout ça. Vas-y. Et vas-y, bah bonne nuit. Lorio, faut qu'on parle. Vas-y, la prochaine. Pourquoi tu crois que c'est ta meuf ou quoi? Ferme ta gueule. Vas-y, Guerrero, s'attrape. Vas-y, force. En fait, je vous laisse le camion, je prends ma voiture. Vas-y. Hey, t'es là en bon état. Je
Je sais pas, on verra, juste essayer de trouver s'il y a des gars, ils sont... Parce que tu connais, y a des gars chauds, tu vois, après c'est... Mais attends-moi là, ça va pas. Ah ouais, okay, la discussion est de mise. Vas-y, vas-y, la discrétion. Je sens bon, je sens bon, je suis frais là ou pas? Ouais. Je suis frais, hop. Vas-y, vas-y, mon gars. Vas-y, elle est dégueulasse, la fausse couche, ça a niqué son ventre. Voilà, Hakim, ça... l'a détruit. Elle vaut plus rien. Il l'a relouqué. Ouais, 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 la veuve. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est comme ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, du coup. Ouais, tranquille, et toi? Bah, ouais, ça va. Tranquille. Ça va toujours? Putain. Tu relativises grave bien. Tu fumes, tu fais du yoga, non? Ouais, je fais beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, ouais. La respiration profonde, tu connais? Ouais, ouais, je connais. Ouais. T'as de la chance, je ronfle pas. Non, comme ça. Du coup, ouais, les clés? Ouais, les clés. Oh, je lui donne des petits indices. Ok. Éloigne-toi. Oh! Wesh! C'est trop, ça! E pour laisser. C'est trop balèze, là. Ok, voilà. Bah, tu m'as dit grand. Mais là, du coup, je paye combien, là? 2500. La journée. C'est pas très très cher, hein. Ouais. Ouais, ça va, de toute façon, tu vois pas mon haut, ouais, ma chaîne, non, t'inquiète pas. Il y a de quoi faire. Ouais, c'est ça. Bah... Ça te convient bien ? Ouais, c'est parfait, il y a pas un tout petit peu plus petit ? Non, bah là, c'est trop tard maintenant. Mais j'ai loué, en gros, la loc, elle se finit quand ? C'est où le stock ? C'est au fond ? Ouais, c'est au fond. Ben, comment ça, comment dire, c'est si tu payes pas, tu l'as plus, mais bon, on l'a aménagé maintenant. Putain. Tu m'as dit grand aussi, moi j'ai fait grand. Bah vas-y, en fait c'est la distance, mais c'est pas grave, vas-y, c'est déjà ça, c'est bien. Après, moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, hein. Non, c'est parfait, c'est parfait, c'est bon, c'est impeccable. Ok, parfait. Bah carré impeccable. Je veux bien ta carte d'identité, s'il te plaît, pour mes papiers. Vas-y, tiens. Mais toi, tu vis dans quoi, toi? Comment ça, je vis dans quoi? En gros, non, vu que t'es agent immo, tu vis en appart, villa. J'ai un appartement, une maison. Une maison? Où ça? Je vis dans la maison au phare. Au phare? Ouais. Ah. T'as pas d'autres lieux où tu dors? Bah après, j'ai plusieurs clés dans plusieurs maisons. Il y a des gens qui me font confiance, mais... Ah, ça, c'est normal. Mais non, je parle en gros... tu dors pas chez quelqu'un vers... comment ça s'appelle? Pas Vainoud, vers... Toi, tu poses beaucoup de questions, Darnel. J'ai remarqué. Hein. Non, je m'interroge. Tu dors pas vers la maison où je t'ai vu? Non, je dors pas par là. Putain. Pourquoi? Gordon. Tu dors pas dans la maison de là où je t'ai vu? Tu m'as dit que c'était un client. La ouais, villa. Bah ouais, c'est un client. Bah oui, c'est un client. T'as pas de chambre là-bas? Ah non, pourquoi j'aurais une chambre là-bas? Ah, non, je demande. Pourquoi? Putain. Non, comme ça. Toi, tu poses des questions bizarres depuis hier, hein. Mais comment ça? Je m'intéresse juste à toi. J'essaie de savoir un peu ce que tu trafiques. Comment ça, ce que je trafique? Enfin, ce que tu trafiques, dans le sens ce que tu manigances, ce que tu fais dans la vie. Ah, ok. Ok, ben après m'avoir traité de pute, tu t'intéresses à moi maintenant? Non, mais parce que ça m'a dérangé un peu. Tu perds un enfant, tu perds Mason. Bref, on va pas revenir sur ça. Ouais, ouais, mais non, j'ai pas très envie de revenir sur ça. Mais tu dors pas chez Gordon? Bah non. T'as pas une chambre chez Gordon? La chambre du haut, quand tu montes l'escalier à droite. Bah non, t'as une chambre là-bas, toi? Bah non. Bah alors? Personne n'a de chambre là-bas. Ok. Ouais. Ok. Monsieur Gordon, c'est un client, mais comment tu fais? Je t'ai à l'œil. Ok. Fais attention. Putain, bon, Gordon, il m'a baisé. Non. Mais par contre, tu vas pas aller le voir, bon, lui dire je sais pas quoi. Tu vas commencer à arrêter de parler chinois maintenant, mais parce que là, ça va commencer à m'énerver maintenant. En parlant de chinois, Tanaka, qu'est-ce qu'il trafique, lui? Mais grave, je deviens un inspecteur. Tanaka, il est bizarre un peu, non? C'est bizarre. Écoute-moi bien, les seules personnes qui sont bizarres ici, c'est toi. Hein.
En fait, mais je t'explique, t'es la meuf la plus chelou de Los Santos. Tu te rends compte que t'avais un enfant de Mason, le gars le plus recherché, le grand voyou. T'as perdu l'enfant avec la plus grosse merde de la ville, Hakim. Est-ce que tu t'en rends compte? Comment tu sais ça, toi? Hé, cousine, regarde-moi bien. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Je suis le gérant de la zone, je te l'ai déjà dit. Donc déjà, voilà, c'est toi qui es bizarre, pas moi. Dis-toi que ton ventre, là, il est... T'as plus le ventre plat mignon d'avant. Là, t'as un ventre éclaté, la peau est tombe. D'accord, et la cicatrice de la balle. Attends, ça te pose un problème, l'aspect de mon ventre, là? Non, je te dis. Du coup, tu dors pas chez Gordon? Mais non, mais pourquoi je dormirais chez Gordon? Parce que peut-être tu travailles pour lui, parce que c'est un vendeur d'armes, sale pute de menteuse. Quoi? Eh ouais, parce que moi aussi je travaille, on est collègues, enchanté. Il me l'a dit tout à l'heure, enchanté, serre-moi la main, on travaille ensemble. Quoi? Hop là, ça faisait un moment, mais on s'était pas croisés. Enfin, hier, pour la première fois. Du coup voilà, vicieuse que tu es, toi tu trafiques comme ça. Ah ouais. Non. Ah, non, je suis mort de rire. Il me l'a dit, je te bluffe pas, c'est Gordon qui me l'a dit. Il me l'a dit et il m'a mis dans ta chambre. Voilà. Quoi? Eh ouais. Donc, toute la place, putain. Je ronfle pas, tu ronfles pas, c'est carré. Non, mais après, mais d'accord, t'as une chambre là-bas. Ah, mais du coup, tu dors vraiment là-bas. Mais t'as une habitation à côté. Bah non, moi je Non, mais j'ai envie de dormir chez Gordon, j'ai droit. T'es sérieuse là? Il m'offre. Mais t'as un tanguy pour faire ça ou? Un tanguy? C'est quoi ça? Ouais, bah c'est des personnes qui ont genre 30-40 ans, qui dorment encore chez leurs parents. Enfin, qui vivent encore chez leurs parents. Un tanguy, ça s'appelle? Ouais. Jure, tu m'as appris un mot. Mais ça veut dire quoi? Ah ouais. Un tanguy, c'est ça, en gros, un gars qui... Un tanguy, ouais. Okay. C'est des gens qui veulent pas quitter le nid, tu Écoute, vois. La CIA me recherche. J'ai des affaires avec le gouvernement. Je peux pas, je dois changer de domicile tous les jours. Me raconte pas ta vie. Moi, je savais même pas que je travaillais avec toi. Me ramène pas tes problèmes dans ma vie, ok? Ok, toi tu veux, ok. Bah, la vie de ma mère, je vais taffer à la mort. Écoute, je vais livrer pour le Gordon toute la journée. Et la vie de ma mère, je vais pas me doucher. Donc ce soir, soit tu dors dehors, soit tu vas dormir à côté de H. Oui, H qui a fait du sport pendant 10 heures. Mais tu crois que j'ai pas d'autre. Mais moi, je dors autre part. Mais Gordon, il t'a ordonné de dormir dans la chambre, t'es pas au courant? Il m'a rien dit. Il y a une mission demain, dès 6h du matin, c'est-à-dire qu'il faut dormir tôt. Et pour que ça soit plus pratique, on dort tous chez Gordon ce soir. Oui, d'accord, mais moi, il m'a pas parlé de la mission là. Parce que c'est normal, je devais t'en parler. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à te faire confiance là. T'es trop bizarre comme mec. Non mais je rigole, ça c'était faux. Mais confiance de quoi? Je travaille pour Gordon, tu travailles pour Gordon, on est collègues. Comme Kaiden travaille pour Gordon, et voilà. Ok, mais personne ne m'a ordonné de dormir là-bas par contre. Oui, ça c'est faux, je vais te le dire. Par contre, ce qui est vrai, il m'a mis dans ta chambre. Donc ça veut dire, c'est soit c'est ma chambre... Attends encore pour longtemps. Ouais, attends, elle est grave collante, la meuf, j'arrive. Ouais, je comprends. Quoi? Parce qu'il y a mon ref, là, il l'a lâché. J'arrive, vite fait. Attends, ouais, j'arrive. La crédibilité, tranquille. Parce qu'il y a un mec dans la voiture dehors. Du coup, bref, parlons peu, parlons bien. On taffe ensemble, j'étais à l'œil. Juste Vas-y, j'ai plus rien à dire. Les quoi? Bah non, mais non, tranquille, je te dis plus tard. J'ai pas confiance. C'est bizarre. Hop là, c'est carré dans l'axe. Hein? On a besoin d'une voiture rapide. On doit faire une livraison. Ok, vas-y. Prends ta voiture. Oui, bah je vais la sortir là-bas, tu te doutes bien. Ok. T'as pas de voiture rapide, toi? Si, mais écoute. Mais une voiture rapide, 4 places ou 2 places? 4, au cas où. Faut toujours être préventif, tu comprends, Sarah? Je vois que t'es pas très. Mais comment t'as eu ce travail, toi? Écoute, ne pose pas de questions, je sais pas non plus pourquoi, ok? Moi, je me pense, la question c'est pourquoi toi t'as eu ce travail? T'as l'air vraiment con comme tes pieds. Comment ça, wesh? Comment ça, je suis con? Tu veux pas conduire? Non, conduis. C'est toi la... T'es forte? Non, tu fais ce travail depuis longtemps. Va, il m'a envoyé une pause. Tu vas aller voir Donnie, tu vas aller... Je vais aller voir personne. Putain, franchement, je l'ai dit. Je pensais qu'à... Bonsoir, Sierra. Allô, bonsoir, Franck. Allô? Mais elle doit le savoir, c'est du mytho. Ou alors ça me fait chier parce que vous êtes beaucoup trop rapide.
Ah bon? Bah, c'est pas grave, ouais. C'est un bon point. Et du coup, ouais. Oui, c'est vrai. Mais du coup, j'attends en fait le go de... Je pensais qu'elle s'affiche. Ah. Il va falloir... Je donne à qui la cargaison déjà? Je vous le mets dans le coffre? À lui, à lui. Ouais, ouais. Le coffre, c'est mieux, oui. Ouais, ouais. Elle est où, la voiture? Dans votre coffre, là. Y a une mallette. Mais voilà, les gars, pour moi, elle sait. Ah, oui. Taf, Kayden était là. Les deux, ils étaient là. Non, je pense qu'elle sait, elle m'a bluffé. 100% elle le sait. Ah, ben non, c'est la mallette pour Monsieur Gordon, d'ailleurs. J'ai écarté Froki, j'ai demandé. Ah bon? Oui, bah oh, oui, la bah, dinguerie, si elle ne le sait pas. Je vous avais dit hier, c'est les billets qu'on... Mais même si elle le sait pas, je m'en bats les couilles, ça change quoi. Il vous a déjà donné ce qu'il vous devait? Ouais, il me l'a donné hier. Ok. Bon, bah je la prends. Bah, ouais, reprenez-le. Putain, les gars, laissez-moi insulter moi, voilà. Pourquoi j'ai dit? Alors, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais une femme, ça me parle beaucoup, je vous comprends, monsieur Gonzalo. Ouais, c'est exactement ça, et... En fait, je me pose une question. Oui. Elle a perdu son enfant à cause d'Hakim, non? Bah, c'est le cas. Oui, d'après ce que j'ai compris, oui. Et vous lui avez dit que vous l'avez tué? Non. Pourquoi? Bah, je sais pas, vous savez... En fait, je sais pas si c'est le Hakim que j'ai tué. Ah, est-ce okay. que c'est le Hakim là? Ok. Parce que nous, déjà, on l'appelait pas Hakim, on l'appelait Loco. Bah moi, en fait, quand je suis arrivé, il m'a direct dit, c'est Hakim, tu me reconnais? Vous vous rappelez? Enfin, il l'a dit même devant oui, vous. Oui, oui, je me rappelle, mais d'ailleurs, moi, j'ai découvert son prénom Hakim à ce moment-là, en fait. Ah, attendez, okay. Je crois que c'est le go. Oui, allô? Ok, parfait. J'envoie. Je suis dans la merde. Oui, mais du coup, mais oui, du coup au pire, sur le trajet, je vais essayer de savoir si c'est celui-là. Si c'est celui-là, dites-lui, hein, ça va lui faire plaisir, en vrai. Parce qu'elle est très perturbée à cause de ça, ça se voit. Ouais, je comprends. Du coup, lui dire que voilà, il est mort, au moins elle va penser à autre chose et c'est mieux pour le business. Ouais, ouais, je comprends. Bah, parfait, je vais essayer de savoir sur le trajet. Parfait. Parfait, gracias. Et pas de tension, hein. Non, non, pas du tout. Parce que sinon, ça finit mal, vous le savez. Non, 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 vraiment pas. Moi, je vous attends ici, donc gardez bien la position. Parfait. C'est bon? C'est bon, vas-y. C'est le Sgababa. J'ai... Ouf. Je conduis et tu donnes. Je donne quoi? Mon cul? Attends, arrête-toi, je prends dans le coffre. On se masque, non? T'as pas fait... Ouais. Voilà. C'est pour la livraison. Va ton cinéma, sale bâtard. Vous voulez quoi? Vous voulez une balle de pompe dans la cabeça, patron? Allons-y, allons au fond, je vais vous passer ça en main propre. Non, viens, c'est... moi, écoute. Bébé, pourquoi vous bégayez? Écoute, je te passe l'argent, et après je te ramène la fille là-bas, tu prends son numéro, son contact, et tu donnes tout à Gordon. Impeccable, parfait. Ok. Parfait, impeccable. Tiens. Donnez-moi la plata, por favor. Je vais te passer ça. C'est du très lourd, hein. Le calibre qu'on vous vend là, c'est de la qualité. Oh. Bien sûr. Ah, eux et l'école, c'est normal. Ok, parfait. Bien, viens ici, Chica, là. Viens, comptez, viens. Je lui passe, bien sûr, on va vérifier la somme. Attends, c'est pas fini. Ouais, bien sûr, elle va commencer. Elle est très intelligente, celle-là. Ouais. Wesh, les mecs, ça... Lève-toi de là. Ok. D'accord. Voilà, normalement c'est bon. Dis-moi. Elle va nous dire. Ouais, attends, je compte. Ça, wesh. Bonsoir. Bonsoir, donc c'est vous pour le calibre, parfait. C'est ça, exactement. Bon, je vous passe ça.
Faites-en bon usage. Hein. Ah, j'espère au moins 10 morts. Vous inquiétez pas, merci en tout cas. Merci pour quoi ? Merci pour quoi ? Merci pour quoi ? Vous croyez que je suis content de vendre une arme à... Quelle origine vous êtes ? Américaine, quoi ? Non, c'est que du business. Je vais la choquer. Hein ? Tenez, vous avez de la chance, il y a de l'argent là. Yes, merci. Attendez. C'est cool. Impeccable. Comme vous pouvez voir, c'est de la qualité, ça c'est... À courte portée, c'est de la viande hachée. C'est une très belle arme. Pas belle très belle arme, très belle femme, c'est compatible. Exactement. Ouais, bon, 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 du coup, vous vouliez notre contact direct. Parfait. Bah, si possible. Bien sûr, donnez-moi votre numéro. Alors. Ainsi que le nom. Ok, c'est 71-89. C'est Poppy. Impeccable. Parfait. À la prochaine. Très bien. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée. J'ai tout liqué de quoi. Ouf. Abusez pas, wesh. Là, je viens de les choquer, là. Là, c'est plus une livraison comme... Hein? Tu peux me remettre la pause, s'il te plaît? Tu livrais comme ça, toi, ou pas? Aga, moi, j'étais agent d'intérieur, moi. Oh, non, comment on appelle ça? C'est ceux qui décorent les intérieurs, là, putain. Hein? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vas-y, va à la maison de... Bah, d'accord. Ah oui, bah... MSX, mon bref, merci frère pour le Prime. Merci frère. Merci mon frère. Ouais patron, c'est bon, tout est bon. Bien, parfait, bah revenez parfait. Là où vous étiez. Parfait, on arrive. Putain, là par contre je sais pas me garer. Du coup, tout est bon. Parfait. J'ai un peu... Bon, j'étais cagoulé. J'ai fait en sorte que ça se passe pas comme prévu. J'ai un peu montré que voilà, on rigolait pas. Descends. Massacre, prends une palette. Gérard, merci pour le deuxième mois. Merci les frères qui se subent tous. Voilà, vous êtes des bons. Ça fait grave plaisir. Merci les frères. En plus, tes premiers subs à partir de minuit. Bien joué, moi. Par contre, moi. Carré ? Ouais, c'est bon. Ah, jure de l'eau. Putain, bien vu, j'avais soif en plus. Et là, c'est le dernier. Après, on fait. Je crois que je vais atterrir sur la plage. Ah ouais ? Voilà, dingue. Bon, vas-y, mon gars. Vas-y, bah, on se tient en jeu de toute façon. Bah, je t'attends ici, non ? Tu vas aller direct ? Ouais, je vais. Enfin, non, vas-y, j'atterris là. Vas-y. Comme ça, je range ton bateau. Ah, on peut bind des touches. Bind, je sais pas comment on dit. Prends-le, les gars, j'ai envie de rester cohérent et tout. Même moi, ça me casse les couilles, mais vas-y, je vais rester cohérent, frère. On t'allume ta mère, tu galères de fou. T'as du mal à t'y faire, du mal à admettre qu'on t'a mis à jour. Toi, tu pars devant la guerre, tu vas assumer jusqu'au bout. À ce qui tu me cherches, à ce qui tu veux faire, mais tu vas voir fou. Et ça fait pas, la bastos de Rafa. Trafic peu, trafic deux, on achète que des armes. Dans le bengso avec Salah, attouche-moi sur Garina. Laisse-moi avec Sabio, ça baisse Merakeido.